Bonjour, je m'appelle Chloé Zaffran et je suis administratrice à la direction de l'architecture, du patrimoine et des jardins. Les administrateurs du Sénat exercent leurs fonctions dans deux types de directions. D'abord les directions de mission institutionnelle qui correspondent aux missions classiques d'élaboration de la loi et de contrôle de l'action du gouvernement. Et d'autre part, les directions dites ressources et moyens qui correspondent à des fonctions support ou logistiques qui permettent aux sénateurs et à leurs collaborateurs d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions possibles. Pour ma part, je suis en ressources et moyens depuis 2015. D'abord, j'ai été responsable de la sécurité entre 2015 et 2019. Et depuis 2019, je suis responsable de la division de la maîtrise d'ouvrage au sein de la direction de l'architecture, du patrimoine et des jardins. Mes principales fonctions sont des fonctions d'encadrement de toute l'équipe de la division. Et par ailleurs, nous exerçons des fonctions de planification de toutes les grandes opérations en veillant, en exécution, à respecter le planning et le budget définis par le conseil de questure. L'année 2022 est une année qui est marquée par des élections, l'élection présidentielle évidemment, et les élections législatives, ce qui induit une large période pendant laquelle le Parlement ne travaillera pas en séance publique. Cela nous permet à nous de faire des travaux qui sont gênants et qui engendrent des nuisances et que donc on ne pourrait pas faire en temps normal sous peine de mettre en cause le bon déroulement de la séance publique. En 2022, nous avons donc un budget particulièrement conséquent de plusieurs dizaines de millions d'euros grâce auquel nous allons pouvoir entretenir le patrimoine qui est celui du Sénat, donc celui des Français, notamment en rénovant une salle de réunion qui est la principale salle de réunion du Palais du Luxembourg qui accueille chaque année non seulement des réunions internes mais surtout des colloques ouverts au public. Nous allons également engager une opération de rénovation des façades et des toitures du palais. Nous allons rénover le local qui accueille les membres du gouvernement lorsqu'ils viennent contribuer à la séance publique. Ce qu'on ne dit pas assez des carrières au Sénat, c'est qu'elles permettent d'exercer une grande diversité de postes. Moi, quand je suis arrivée, que j'avais 22 ans, j'ai commencé ma carrière en commission, comme beaucoup d'administrateurs, et je ne me serais pas doutée qu'à 28 ans, j'exercerais dans un autre poste les fonctions de responsable de la sécurité. Je suis arrivée quelques semaines avant les attentats du 13 novembre 2015. Ensuite, il y a eu l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, et ces événements ont eu un impact extrêmement clair sur le dispositif de sécurité du Sénat. Par ailleurs, j'ai aussi vécu un contexte d'ordre public qui était lui aussi délicat, puisque la crise des Gilets jaunes s'est produite pendant que j'étais responsable de la sécurité. Bien sûr, le Sénat, c'est une institution qui a pour vocation principale de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Mais nous avons également tout un patrimoine à gérer, nous avons des personnels à encadrer. Et il y a énormément de fonctions qui finalement contribuent à ce que les sénateurs travaillent de manière sereine, mais qui sont des fonctions parallèles à l'élaboration de la loi.